confirme nos pires craintes. Perseus a fait transiter une tête nucléaire à Berlin-Est. On ne peut pas en être certain. Il l'a, c'est certain. On a trouvé des coordonnées cryptées avec les infos de Volkov. Celles d'une zone inhabitée de la République soviétique d'Ukraine. Le survol du SR-71 a révélé ceci. Je veux qu'on me tienne au courant de tout ce qui se passe dans ce bâtiment. On aura besoin des autres. Woods et Mason nous rejoindront de Kiev. Belle, tu vas t'infiltrer avec Woods. Mason et moi, on s'occupera de l'extraction. Park des communications. On n'a aucune idée de leur nombre ni de leur niveau d'entraînement. Alors restez discrets si vous devez combattre. Il est temps de jeter un œil derrière le rideau de fer. Bien reçu, Park. Tu gères les communications. Dis à Mason et Adler d'attendre. On y va. Belle, faut qu'on avance. La base se trouve juste après cette colline. Infiltrez-vous. Découvrez ce que vous pouvez. Et sortez de là. Merde, Park. Je pensais rester un moment, visiter le goulag, moi. Ça une fois qu'on saura ce que prépare Perseus. Regarde-moi ce monstre. Je me demande ce que les rouges cachent à l'intérieur. Prends une photo, les services secrets sont intéressés. Bon, il est temps de se salir les mains. Je vois des gardes en haut et en bas. Choisis ta cible. C'est fini la séance photo. Range ton appareil. Sors ton arme, on va devoir y aller. Élimine les gardes. Ben voilà, problème réglé. Tu vas pouvoir descendre. Je te couvre d'ici. Prends des photos de tout ce qui peut être important. Cartes, plans, tout ce que tu trouveras. Regarde ce point de contrôle d'un peu plus près. Avance dans la base. On n'a pas toute la nuit. Trouve un accès au bâtiment principal. Je vais désactiver l'alarme de périmètre. Si
все чисто. Мне нужно подкрепление. Mais je n'ai toujours pas de nouvelles de Woods. Continue comme ça jusqu'à l'intérieur. Continue comme ça jusqu'à l'intérieur.
registre. J'ai perdu quelque chose. Park, Belle a trouvé un accès, mais on n'a pas beaucoup de temps. Alors en avant. J'ai rien de mieux à ajouter. Des gardes en bas, et je vais en contrebas, et j'attaque à ton signal. C'est bon, je suis prêt. Je crois pas que ça puisse nous servir. C'est quand tu veux. Capitaine, on других за меньшие поступки на губу отправлял. Ты это слышал? Посторонний! Нужно подкрепление! C'est dégagé, je pense. Un autre secteur. Merde, cet endroit a été construit pour servir de système d'alerte contre les missiles. Prudence, il y a peut-être une armée de cocos derrière cette porte. C'est quoi cet endroit? C'est un terrain d'entraînement des Spetsnaz. Et ça pourrait correspondre à n'importe quelle ville américaine. Prends une photo de ça, Ben. Sors ton appareil. Ton appareil, Belle. Bon, bah vas-y. Si tu dois jouer, fais-le. Ils vont jamais le croire. Начинаем боевые действия!
commence. Merde, on se casse! S'ils veulent un exercice en situation, ils vont être servis.
contact sur les toits. Là, j'aurais dû la fermer.
Поднимайтесь! Вы едете сейчас! Пошли! Хорошо! Граната пошла! Гранат! Ты вот тут, вон! Иди сюда, по там! Mène directement à la tour de contrôle. Une grenade! Directement à la tour de contrôle. Une grenade! Merde, il fallait un costaud. On s'est retrouvé en plein exercice. L'endroit grouille de rouge. On cherche toujours des renseignements. Bordel. Je demande à Mason et Adler de se tenir prêts pour l'extraction. Elle a l'air furax, tu trouves pas? Je vais me mettre à couvert. Garde! On dirait leur centre de commandement. Par ici. Jackpot, l'ordinateur central. Voyons ce que les rouges nous réservent. Belle, viens sur ce terminal. Regarde ce que tu peux trouver. Belle, regarde l'ordinateur central. Bienvenue dans les archives d'analyse de combat du peuple soviétique. Statistiques de combat urbain stratégique, accès restreint. On s'en fout de ça. Cherche encore. Rapport quotidien du KGB, accès restreint. Oh, ma grande passion. Y'a rien d'autre? Opération Greenlight, accès restreint. C'est quoi ça, l'opération Greenlight? Belle, tu peux pirater ça? Évidemment, il y a un mot de passe. Fouille la zone. Les rouges sont jamais très malins. Il y a peut-être un indice sur le bureau. Joli.
C'est confirmé. La bombe qui a quitté Berlin vient du programme Druid. Personne n'en saura rien, pas même l'équipe d'Adler. Les enjeux sont trop importants, c'est un de fait. Je veux être sûr de ton engagement, Hudson. Les dés sont jetés. Le plan est en marche. Si. Je prends une copie. Ça n'a aucun sens. Perseus a infiltré un programme nucléaire de la CIA, nom de code Opération Greenlight, dirigé par Hudson. La tête nucléaire volée est américaine, et Hudson était au courant. Merde, on fout le camp. Arrête de gaspiller la pellicule. Vivant, j'irai faire la peau à Hudson. Cadler et Mason pourront nous extraire à l'endroit prévu. On doit atteindre cette sortie. Les enfoirés bloquent la sortie. On va devoir se frayer un chemin.
bonne idée. Je conduis. Oui, je m'en occupe. Tu savais que la bombe venait de Greenlight et t'as rien dit. Qu'est-ce que tu nous caches d'autre? Je peux peut-être te faire cracher le morceau. Je te le déconseille, Woods. C'est pas en vous hurlant dessus qu'on va trouver Perseus. Pourquoi avoir caché que c'était une bombe américaine? Il avait besoin de nous pour nettoyer sa merde. Cet enfoiré nous ment à tous depuis le début. J'ai pas menti. J'ai omis quelques faits. C'est ton grand truc, pas vrai, Hudson? Manipuler les gens, arranger la vérité à ta sauce. Y a pas de vérité. Tu choisis de croire qui tu veux. Adler en sait quelque chose. Pas vrai, Russ? L'opération Greenlight. C'est quoi? Raconte-nous tout. En 58, la course aux armements battait son plein. Eisenhower pensait que si les Rouges envahissaient l'Europe, on ne pourrait pas riposter. D'où la fameuse opération Greenlight. Un programme top secret qui consistait à placer une bombe nucléaire dans chaque grande ville européenne. La contre-mesure ultime à l'invasion soviétique. En 1974, elles ont fait place à de puissantes bombes à neutrons, capables d'exterminer la population sans endommager les infrastructures. Des milliers de morts d'un coup. Et toi, tu nous parles de putain d'infrastructures? On voit où sont les priorités. On tue les gens, mais on sauve les bâtiments. Le but, c'est de préserver notre mode de vie. Depuis quand tu sais pour la bombe manquante? Une des bombes a été désactivée il y a 8 semaines. On soupçonnait Perseus, mais sans avoir de preuves. Jusqu'à ce qu'on voit les photos rapportées de Berlin-Est. Donc, on a une bombe nucléaire américaine disparue. Et quand Perseus la fera sauter, les États-Unis deviendront l'ennemi mondial numéro 1. On n'en serait pas là aujourd'hui si t'avais fait ton boulot et tué Perseus au Vietnam. La prochaine fois, Hudson, je laisserai faire Woods. On doit savoir ce que Perseus prépare avec cette bombe. Park, on n'a rien d'autre dans les papiers que Bell et Woods ont rapporté de la base? J'y vois le nom d'un site d'excavation dans l'Oural, au mont Yamantau. D'après notre agent au KGB, c'est une opération active. Le Yamantau. Je pensais que Hudson et Weaver avaient enterré cet endroit depuis des années. C'est le cas. Perseus veut récupérer l'ordinateur central. Dragovich et Steiner ont sûrement dû laisser des trucs sympas. Steiner. Envoie Woods et moi. T'es trop impliqué, Mason. On n'a pas le droit à la moindre erreur. C'est moi qui choisis. Et je veux Mason et Woods. Trouvez l'ordinateur central avant Perseus. Je vais contacter Belikov, notre agent au KGB. Il nous aidera pour la logistique. À dire vrai, il vaudrait peut-être même piloter l'hélico lui-même. Je sais pas ce que Perseus vaut, Yamantau. Mais je le veux plus.